Ouais, les bidons, les roues. Donc là, on va couvrir le secteur numéro 22. Donc, chaque secteur est couvert par des directeurs sportifs, des assistants. Donc, les coureurs de la Française des Jeux savent qu'à la sortie du secteur, il y a des bidons et des roues qui les attendent. Donc, ils arrivent sur les secteurs un peu plus sereins, quoi. On est en train de couper, là. J'ai repris l'autoroute puisqu'on va aller maintenant à la zone pavée de Hershey. Donc on a fait ça toute la journée, on fait des sauts de puce, ça va aller un petit peu. Donc ouais, voilà, c'est un peu la course dans la course. Je ne suis plus sur le vélo, mais je suis toujours un peu à bloc pour essayer de couvrir tous les secteurs et de faire ça au mieux. Allez Fred! Allez Fred! Allez Damien! Dans deux secteurs, c'est le carrefour de l'arbre. Donc là, c'est vraiment la dernière occasion pour essayer d'attaquer parce qu'ensuite, on va faire doubler assez vite. Là, ça va faire mal. Puis il y a beaucoup de vent, ça se couvre. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. On a Mathieu devant, donc il joue encore la gamme, même si Bonnel fait une belle démonstration. Mais Mathieu est bien derrière, donc je pense qu'il va faire une belle place. Mange Mathieu, mange!